Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Son Excellence Alassane Ouattara a observé toute sa période de deuil, comme il avait indiqué, face aux nombreuses sollicitudes à son endroit. Jusqu'au 40e jour du deuil de son proche collaborateur, qu'il appelait en bon père de famille, son fils, le regretté Amadou Gon Coulibaly. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Son Excellence Alassane Ouattara, pour sa première sortie politique, s'est exprimé avec des mots justes, des phrases dignes d'un père de famille, des messages dignes d'un chef d'État, un langage responsable et toujours un appel à l'apaisement face à certains remous non justifiés et la paix. Pour un meilleur vivre ensemble dans une Côte d'Ivoire que son gouvernement et lui ont réussi à hisser au firmament des plus belles réussites des nations africaines. Cet élan de croissance historique pour un État africain, parti 10 ans en arrière d'un désastre dont le bout du tunnel n'était visible par aucun expert politique et financier, malheureusement freiné par la pandémie mondiale du Covid-19, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire, s'est exprimé en bon démocrate, assumant avec fermeté son choix d'être candidat par amour pour son pays, la Côte d'Ivoire, avec un souci de préserver les acquis de la nation ivoirienne et de garantir le meilleur aux générations futures. J'ai pris cette décision pour la Côte d'Ivoire, pour mes concitoyens. Je crois que chacun de nous a son destin. Et on ne peut pas fuir son destin. La Côte d'Ivoire est maintenant un grand pays, un pays stable, un pays sur la voie d'un développement encore plus accéléré. Avec une équipe de jeunes ici, tout autour, qui sont prêts à prendre la relève. Mais si les uns et les autres savaient combien d'années il m'a fallu pour préparer Amadou Gon Coulibaly, on ne peut pas préparer un successeur en 4 semaines ou en 2 ou 3 mois. Donc c'est un sacrifice que je fais. Je veux que ce soit clair. Pour moi, c'est un sacrifice parce que je veux laisser le meilleur à la Côte d'Ivoire. La violence ne passera pas dans notre pays. Ceux qui travaillent avec moi le savent. Et nous sommes unis sur notre volonté de préserver la paix pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Je lance un appel à l'apaisement. La Côte d'Ivoire, malgré les soubresauts, a connu 9 années de paix relative. Et il faut que cette paix continue jusqu'aux élections et après les élections. Je peux vous donner ma parole, mesdames et messieurs, que c'est un serment que je fais. La Côte d'Ivoire va demeurer en paix. Et je sais que nos concitoyens veulent la paix. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.